Bonjour et bienvenue à cette courte vidéo opioïdes, intervenir en cas de surdose. Mon nom est Jean-Claire Mondrelet et c'est moi qui vais vous accompagner durant cette courte et simple présentation sur une problématique qui vous touchera certainement un jour, si ce n'est pas la semaine prochaine, dans 6 mois, 1 an, ça va être dans 3 ans, 5 ans, mais préparez-vous, c'est certain que ça s'en vient. Même si au Nunavik, vous pouvez sembler loin de tout ça, c'est quelque chose qui va apparaître. Donc, les objectifs de cette présentation, c'est tout simple. Le deuxième, reconnaître les signes et symptômes d'une surdose d'opioïdes. Le troisième, intervenir adéquatement en cas de surdose. Et le tout premier, qui est le plus important, avoir du plaisir tout au long de cette présentation. Quand c'est agréable et plaisant, on apprend mille fois mieux et c'est ce que je veux qu'on vive ensemble durant les 10-15 minutes de petite présentation. Donc, le plan est tout simple. Opioïde, état de la situation. On passe tout de suite aux surdoses, signes et symptômes cliniques, de même que les interventions à faire. Et on termine par des remerciements. Une classification simplifiée des drogues en dépresseurs, stimulants et perturbateurs. Vous voyez tout de suite en bas à gauche que les opioïdes sont véritablement des dépresseurs du système nerveux central. Ce sont des drogues qui ralentissent tout le système en activant le système parasympathique. Donc, la différence entre opiacés et opioïdes est toute simple, en fait. C'est que les opiacés, ce sont des substances dérivées au sens assez large de l'opium et qui agissent sur les récepteurs opiacés. Et par contre, sous le terme opioïde, sont désignés les composés n'étant pas chimiquement apparentés à l'opium. Donc, on parle de composés qui sont non dérivés ou non synthétisés à partir de composés naturellement présents dans l'opium, mais qui ont une action similaire aux opiacés sur les récepteurs opiacés. Donc, on parle comme d'opiacés de synthèse. Opioïdes ou opiacés, peu importe, ils exercent leurs effets par une stimulation directe ou indirecte des récepteurs opiacés qui sont surtout logés dans les systèmes nerveux central et parasympathique. Donc, on parle d'un système qui ralentit, qui fait ralentir tout le système. Et tout ça se situe dans des tendances par rapport aux nouvelles drogues de synthèse. Alors, je passe tout de suite aux opioïdes de synthèse. Ce qu'on a de plus en plus sur le marché, c'est-à-dire c'est des opioïdes de synthèse qui sont de plus en plus puissants, dont le fentanyl qu'on entend parler. Mais il existe aussi du carfentanyl, du méthylfentanyl et attendez-vous de voir apparaître d'autres dérivés. Et pourquoi est-ce qu'on en parle? C'est simplement parce qu'il est très, très, très puissant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de surdoses liées au fentanyl. On voit ici comment le fentanyl peut être beaucoup plus puissant que les autres opiacés présents et opioïdes présents sur le marché. Vous montrez à peu près une idée de la force. On a ici des doses pures, mortelles, d'héroïne, de fentanyl et de carfentanyl. Et on voit bien que, par exemple, le fentanyl, c'est à peine 2 mg pour faire mourir quelqu'un. Le carfentanyl, si on parle d'un 0,02 mg, soit un grain de sel. Donc, c'est extrêmement puissant. Et malheureusement, on en trouve de plus en plus dans les drogues qui sont saisies. Et on en trouve particulièrement, bien évidemment, dans l'héroïne, mais on en trouve aussi coupé dans la méthamphétamine, les speed qu'on a sur le marché. Vous allez dire que 1,7% des comprimés de méthamphétamine saisis étaient contaminés au fentanyl. Là, on parle de statistiques qui datent de 2016-2017. C'est pas beaucoup. Mais quand c'est ce sac-là qui arrive dans votre communauté, là, vous risquez d'avoir des surdoses d'opioïdes, alors que la personne pensait prendre un psychostimulant. D'où l'importance de bien se préparer. On trouve aussi le fentanyl pas mal dans les substances de coupe. La raison est simple, c'est que tout ça maintenant est fabriqué dans d'immenses laboratoires en Chine, donc oubliez les petits laboratoires dans des granges ou dans des fonds de rang. Maintenant, c'est une fabrication industrielle qui a lieu en Chine, en Corée du Nord et au Mexique tout particulièrement. C'est extrêmement payant et tout ça est lié à des routes de distribution, donc plus on produit une drogue de qualité, mieux elle est distribuée parce qu'on fait beaucoup, beaucoup d'argent. Et plus on fait de l'argent, mieux elle est distribuée. Et plus on arrive à consolider les routes de distribution. Donc, il y a des cartels de narcotrafiquants. C'est pour ça qu'on en voit apparaître de plus en plus sur le marché. Et c'est pour ça qu'on voit aussi des saisies de plus en plus fréquentes où il y a des drogues contaminées au fentanyl ou du fentanyl pur.
On peut avoir aussi ces drogues-là via Internet, le dark web et maintenant même via Google avec de l'achat. Et voyez-vous, le fentanyl, ça en prend très 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 peu. Dans un petit sac, quelques grammes, ça passe comme une lettre à la poste. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec de plus en plus de décès reliés à des surdoses d'opioïdes, compte tenu que c'est de plus en plus accessible. Et on voit justement dans les journaux des cas comme ce jeune homme de 21 ans qui avait pris un ou deux comprimés la veille et qui est décédé le lendemain. Donc, préparez-vous, c'est ce qui s'en vient chez vous. Bref, que faire alors? La toute première chose, bien évidemment, c'est de reconnaître les signes de surdose d'opioïdes, c'est-à-dire des signes de ralentissement complet du système nerveux. Donc, on parle de difficulté à marcher ou à parler, la personne ne se réveille pas, difficulté à respirer, son de gargouillement, ronflement étrange, la peau elle est froide, elle est moite, les lèvres ou les ongles sont gris, violets ou bleus, les pupilles sont minuscules, elles sont en myosis. La naloxone est donc le traitement de choix quand on voit ces symptômes-là. Alors, quand on a affaire à une intoxication ou un surdosage d'opioïdes, bien évidemment, la première chose, c'est de maintenir et d'assister la respiration. Ensuite, on passe à la naloxone, l'intubation endotrachéale dans des cas d'extrême urgence. Et puis après ça, on peut passer aux manœuvres cardio-respiratoires. Par rapport à la naloxone, c'est important de savoir si l'accès intraveineux n'est pas disponible immédiatement. On administre intramusculaire, sous-cutané ou intranasal, c'est également efficace. Référez-vous au protocole de votre établissement. On n'a pas besoin d'avoir à chercher un autre type de naloxone. Vous prenez ce que vous avez sur place et c'est ça qui est utilisé, intraveineux, intramusculaire, sous-cutané ou intranasal. Vous avez plusieurs étapes pour sauver des vies. Vous avez des affiches qui existent. Peut-être que vous en avez une dans vos communautés. Ça, c'est celle du gouvernement du Québec. Est-ce qu'il y a des contre-indications à la naloxone? Il n'y en a qu'une seule, soit la présence d'une hypersensibilité aux médicaments. Bien évidemment, une hypersensibilité connue. Alors, ce qui est assez rare. Mais la naloxone, il faut comprendre qu'il n'y a aucune interaction médicamenteuse avec la naloxone. La raison est toute simple. La naloxone n'a qu'un seul mode d'action. C'est celle de se lier au récepteur à opioïdes et ainsi d'empêcher l'opioïde présent dans le sang, de la méthadone, de l'oxycodone, de la morphine, d'empêcher ces substances-là de se lier à nouveau au récepteur. La naloxone vient saturer, vient complètement prendre tous les récepteurs opiacés. Ce qui fait que tout à coup, la personne cesse d'avoir ces symptômes de surdose parce que tout à coup, l'opioïde présent, comme morphine, dilodide, héroïne, n'a plus d'action. Alors, habituellement, après une dose, déjà, on commence à avoir des effets. Une deuxième ou une troisième dose peuvent également être administrées en l'absence de réponse dans les 2 minutes. Voyez-vous, ça va assez rapidement. Presque tous les patients répondent à 3 doses de naloxone. S'ils ne répondent pas à ça, ça veut dire que soit l'état du patient n'est pas dû à une surdose d'opioïdes, ou encore que c'est dû à une surdose d'opioïdes, mais l'opioïde est très, très, très fort, comme par exemple du fentanyl ou un dérivé du fentanyl. Donc, dans ce temps-là, ça exige des fortes doses de naloxone. On ne se gêne pas pour donner une quatrième, une cinquième, une sixième. On ne peut pas avoir de surdosage de naloxone. D'accord? Donc, il y a quand même quelques mises en garde. La naloxone a une très courte demi-vie d'action. En règle générale, la durée d'action de la naloxone est inférieure à celle des opioïdes qui sont pris. Donc, ce qui fait que le patient doit vraiment être surveillé pendant plusieurs heures après avoir repris une respiration spontanée. La raison est simple, c'est que la dépression respiratoire peut réapparaître quelques heures après un surdosage de méthadone ou d'oxycodone à l'expiration prolongée ou, par exemple, de plusieurs comprimés de morphine. Donc, il faut vraiment qu'on surveille le patient longtemps après. On voit ici une bonne idée des pics d'action et d'élimination, autant dans le sang
que à l'intérieur du cerveau. Voyez-vous là que, par exemple, dans le sang, déjà au bout d'une demi-heure, vous avez la moitié de la dose de naloxone qui est déjà éliminée. Donc, le pic d'action commence vraiment à diminuer. Au bout d'une heure, il n'y a quasiment plus rien. Donc, étonnez-vous pas de voir apparaître justement à nouveau des signes de surdose, tu sais, ou encore un sevrage d'un opioïde. On peut voir apparaître un sevrage d'opioïdes après l'administration de la naloxone, particulièrement chez les gens qui sont habitués de prendre des opioïdes, qui sont devenus accros aux opioïdes. Alors, ce qu'on voit comme manifestation de sevrage, c'est une humeur dysphorique, c'est-à-dire instabilité de l'humeur, phase anxieuse, réaction de colère, un malaise psychique avec insatisfaction. C'est vraiment de la dysphorie. Nausées, vomissements, des douleurs musculaires et des fortes douleurs musculaires. Larmoiement, rhinorrhée, dilatation des pupilles, tout l'inverse de ce qu'on avait avec une surdose. Les pupilles sont en mydriase. Piloérection, transpiration, diarrhée, bâillement, fièvre, insomnie. Bref, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on peut donner un peu d'opiacé et bien évidemment des benzos. Ça donne un coup de main pour calmer le sevrage. Vous avez plein d'affiches qui existent par rapport au sevrage d'opioïdes. Bravo! Avec ce que j'ai dit, vous avez maintenant la base nécessaire pour intervenir efficacement. D'autant plus qu'en date de décembre 2019, tous les villages ont été équipés de 200 doses de naloxone afin de maintenir en vie 2 cas de surdose d'opioïdes pour une période de 48 heures. Donc, ce qui est quand même pas mal. Cette vidéo a été produite par la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik avec la collaboration de Jonathan Bouchard et de Stéphanie Michaud. Pour en savoir plus sur le sujet, vous allez trouver avec cette vidéo une autre vidéo, mais beaucoup plus détaillée au plan clinique sur les opioïdes. C'est vraiment pour une écoute facultative quand vous aurez le temps, si vous avez envie d'en savoir plus sur le sujet. Merci de votre attention et passez une belle journée.